J'espère que mon visage ne sera pas brûlé. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur YouTube, du coup j'ai perdu mes marques. J'espère aussi que tu vas bien, très cher authentique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner des conseils, notamment trois façons, trois philosophies de vie pour faire des rencontres dans la vraie vie. Comme je te l'enseigne depuis le début sur cette chaîne, comme je te l'enseigne à travers mon Telegram, je t'invite à le rejoindre. Le lien est dans la description. J'y partage des conseils quotidiens. Si t'es pas encore inscrit, alors c'est gratuit, hein. Si t'as pas encore rejoint mon canal Telegram, tu auras beaucoup de contenu, notamment des audios, des messages. Je t'invite aussi à télécharger ma formation gratuite pour apprendre les 7 lois, les 7 principes psychologiques et émotionnels qui vont te permettre d'attirer une femme et de faire en sorte qu'elle s'attache à toi. C'est un petit peu le chemin, les principes qui vont t'accompagner durant tout ton chemin, tout ton parcours dans ta vie sociale et amoureuse. Donc regarde-les, apprends-les, relis-les, c'est l'essentiel et le lien est dans la description. Je te propose aussi de rejoindre mon mentorat si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu veux qu'on travaille sur ta vie amoureuse mais aussi personnelle, parce que si tu veux faire rentrer une femme dans ta vie, elle a plutôt intérêt à être intéressante cette vie. Si tu veux une femme intéressante, il faut que ta vie soit intéressante. Si tu veux une femme qui a des valeurs, il faut que tu aies des valeurs, il faut que tu te cherches, il faut que tu te trouves. Connais-toi toi-même, aime-toi si tu veux être aimé et si tu veux connaître quelle est la femme qui peut rentrer dans ta vie. C'est l'essentiel. Donc si tu veux qu'on travaille ensemble, le lien est dans la description. Et tu verras qu'on va pas se buter, on va pas se buter à la drague de rue. On fera pas des week-ends de coaching de rue où je vais t'envoyer aborder des femmes, non. Tu vas d'abord travailler sur toi si c'est nécessaire. On verra là où ça pêche, là où ça bloque. Et ensuite, tu vas aborder comme un grand dans ta ville, à toi, par chez toi. Et tu verras que ça roulera comme sur des roulettes parce que tu auras fait un travail de fond, un véritable travail d'évolution personnelle. Alors, trois façons de rencontrer des femmes dans la vraie vie. La première, c'est de comprendre que… Trois philosophies, hein, on se comprend. La première, c'est de comprendre que chaque opportunité compte. Là autour de moi, il y a des opportunités. Quand je vais me balader dans un parc ou quand je débauche, débaucher en bordelais, ça veut dire sortir du travail, rentrer du travail. Quand je débauche, je vais croiser des gens. Quand j'assiste à un spectacle de rue, j'assiste à ce spectacle de rue en même temps que d'autres personnes. Quand je suis en train de me balader, en ce moment, il y a des bars qu'il faut emporter. Il y a des gens qui sont en train de boire leur bière dehors. Ça, c'est des opportunités. L'autre jour, d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, enfin, un groupe de deux personnes plus un gars, deux filles et un gars. Et je leur ai demandé, mais les bars ont ouvert, on n'est plus confinés, enfin, il n'y a plus de couvre-feu, les restaurants sont ouverts, comment ça se passe? Et du coup, on s'est retrouvé à discuter naturellement. Donc, c'est de comprendre que chaque opportunité compte. La deuxième façon de rencontrer des gens dans la vie de tous les jours, c'est d'agrandir ton cercle social, d'agrandir ton cercle d'amis. Ton cercle d'amis proches et de collègues. Pour ça, c'est très simple. Tu vas être acteur de ta vie en proposant des activités et en leur proposant éventuellement de ramener des amis à eux. Si ce sont tes amis, il y a de très fortes chances que les amis de tes amis soient tes amis. Donc, propose-leur par exemple un pique-nique. Propose-leur par exemple une sortie à la plage. Propose-leur d'aller se poser dans un parc si il n'y a pas de plage par chez toi. Même en période de confinement, couvre-feu, alors confinement c'est plus compliqué, mais couvre-feu, les dimanches après-midi, les samedis après-midi, les fins de soirée, les fins d'après-midi, propose des trucs, tu vois. Propose des trucs aussi chez toi, des jeux de société et propose-leur de ramener leurs potes. Sois acteur de ta vie, reste pas enfermé dans ton introversion, je sais ce que c'est, mais reste pas enfermé, ne t'isole pas. Mets de la vie dans ta vie, mets de la vie sociale et de la vie aussi riche en expériences. Accepte aussi, deuxième conseil, accepte aussi les invitations que tu refusais jusqu'à avant, en fait. Sois un yes man. Oui, viens, on fait ce dîner. Oui, carrément, on fait ce dîner. Viens déjeuner ce midi avec nous. Oui, je vais déjeuner avec vous ce midi. Mets de la vie dans ta vie. Voilà, si tu veux rencontrer des femmes et des gens dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, enrichis ta vie sociale, d'accord? Et le troisième conseil que j'ai envie de te donner pour faire des rencontres dans la vraie vie, c'est d'agrandir ton cercle social. En dehors de tes amis, en faisant des nouvelles activités. Va regarder sur Meetup
des nouvelles activités qui t'intéressent. Je sais pas, ça peut être autour du yoga, autour de l'entrepreneuriat, autour d'une pratique, la sophrologie, autour de la spiritualité, autour de l'évolution personnelle. Je sais qu'il y a plein d'événements sur Meetup que tu peux saisir, que tu peux aller voir, et tu vas rencontrer des gens. Et pendant ces moments de rencontre, un événement, imaginons, ça peut être par exemple une visite guidée de quelque chose, une présentation d'un artiste dans une galerie d'art. À ce moment-là, il se passe autour de toi des choses aussi. Il y a des femmes qui te regardent peut-être. Il y a des femmes qui sont là dans le bar d'à côté ou qui sont là en train de boire un verre avec leur copine. Tu peux les aborder et faire la discussion avec elles. Et puis, une fois que tu as fait la discussion avec elles, tu peux éventuellement leur proposer de venir à ton événement, de leur montrer toi ce que tu as découvert. Tu vois, mets-moi de la vie dans ta vie. Ok ? Tu peux aussi, pourquoi pas, proposer aux amis que tu as rencontrés le week-end passé, tu sais, qui sont les amis de tes amis, tu peux leur proposer d'aller avec toi à ces événements. Tu vois, enrichis-moi ta vie sociale, mais ne reste pas enfermé. Sois acteur de ta vie, sois créatif, il y a tellement d'opportunités tout autour de toi. Maintenant, tu vas me dire, mais comment je fais pour saisir les opportunités? Il y a le masque, c'est compliqué, on ne voit pas les visages. Ça, honnêtement, je pense que tu te trouves des histoires là. Tu te cherches des histoires, des raisons de ne pas y aller. Le masque, pour moi, c'est encore plus motivant pour y aller parce que tu as envie de découvrir cette personne. Tu ne la vois pas, tu vois. Tu vois juste ses yeux et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un peu plus de mystère. Tu peux d'ailleurs verbaliser ce côté-là. Écoute, j'ai vu ton regard et ça m'a attiré. Et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Tu peux faire passer plein de messages à travers les yeux parce que juste avec les yeux, on peut se focus que sur ça vu qu'on voit que ça, tu vois. Donc, le masque, c'est qu'une excuse. Couvre-feu, c'est qu'une excuse. Tu peux libérer du temps avant tes activités pour rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours. Parce que, tu vois, tu peux aussi aborder des femmes dans la rue. Ça, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je montre la plupart du temps sur ma chaîne YouTube parce que moi, quand je vais filmer des caméras cachées, je prends mon caméraman, alors maintenant j'en fais plus, hein, mais je prends mon caméraman et puis on cherche des nanas à aborder. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est je vais d'un point A à un point B et de mon point A à mon point B, je vais croiser des femmes, et bien je vais les aborder, tu vois, je vais me permettre de les aborder. D'accord ? Je vais me permettre d'aller les voir et de leur dire pourquoi je viens leur parler en étant authentique. La masculinité par l'authenticité. Viens polariser avec elle, va leur dire pourquoi elle te plaise. C'est important, tu vois, tu as des désirs, tu es un homme, c'est normal, tu vois, qu'elle te plaise. Donc, va les voir, dis-leur pourquoi tu viens leur parler, puis après, tu files à ton activité. Durant ton activité, pareil, il y a des femmes. Alors là, tu vas connecter différemment. Ça va être un échange de regards, un sourire, un signe de la main, un coucou, une réaction par rapport à l'événement que vous avez en commun. Ça peut être par exemple un intérêt commun pour quelque chose que vous regardez. Tu peux verbaliser quelque chose. Tu vois, encore une fois, il faut être acteur de sa vie. Il faut parler, il faut mettre du mouvement dans sa vie, dynamiser sa vie sociale et chaque seconde que tu vois finalement, chaque seconde que tu vis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura parlé. J'essaie de faire court maintenant sur YouTube. Si tu veux aller plus loin, tu as mon canal Telegram dans la description. Si tu veux recevoir ma formation gratuite pour connaître les 7 principes psychologiques et les lois finalement fondamentales, émotionnelles et psychologiques qui vont te permettre d'attirer une femme, de faire des rencontres, d'attirer les femmes et de faire en sorte qu'elles s'attachent à toi, pareil, télécharge cette formation, c'est dans la description. Si tu veux qu'on travaille ensemble en mentorat avec un vrai suivi personnalisé, avec un vrai accompagnement sur la durée, sur le temps pour une vraie transformation personnelle, le lien est dans la description et tu verras que tu seras capable de voler de tes propres ailes. Tu ne seras pas dépendant de moi en coaching. Je vais te coacher, je vais t'épauler, je serai derrière toi. À chaque moment, on va recadrer les choses qu'il faut recadrer, te pousser là où tu n'aimes pas aller, là où ça fait mal, mais c'est là où il faut aller pour progresser et recadrer tout ce qui ne va pas pour t'améliorer. Et tu vas pouvoir voler de tes propres ailes parce que je ne suis pas un coach qui te rend dépendant de moi. Je suis un coach qui t'aide par l'indépendance à voler de tes propres ailes. C'est pour ça que j'ai arrêté complètement les coachings en physique et que je fais que du coaching à distance, ce qui permet une vraie responsabilisation du mentoré, de l'élève. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée. Moi, je vais filer, apporter mes pantalons au pressing. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Je l'ai fait en one shot. C'est pas mal, hein, parce que moi, je suis perfectionniste et j'aurais pu la recommencer 20 fois cette vidéo. Mais je me suis dit non, tu la continues jusqu'au bout, mon gars, tu t'arrêtes pas. Je m'auto-sabote, un peu comme vous, avec les femmes. Ciao.